Hey yo tout le monde, c'est Mutitov, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, eh bien, deuxième journée au salon à l'E3. Allez, let's go, c'est parti. Et voilà, on est arrivé à l'E3, c'est parti. Aujourd'hui, je teste Zelda, donc c'est plutôt cool. Je vais aussi tester du Skylanders. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. À l'occasion, j'ai mis une casquette Pokémon. Je sais pas du tout si ça se voit, je sais pas ce que j'ai filmé. Enfin bref, donc du coup, allez c'est parti, go à l'intérieur du salon, inside the convention. Yes. Allez. You're ready, ready. Bam. Bam. Oh. Ah. Ah. J'en aurais eu deux, tu sais, en tout. Et ça va ultra vite, c'est ouf. Bon, hier j'ai pas pu vous faire de timelapse, alors du coup je pense que je vais vous en faire pas mal aujourd'hui, donc c'est parti. Sur le stand Xbox, et ben contre toute attente, il y a pas mal de jeux qui m'intéressent et qui sont assez sympathiques, assez colorés, assez jolis. C'est pas trop mon style de jeu, mais j'ai hâte de tester Dead Rising, par exemple. J'ai également hâte de tester Sea of Thieves, mais ça je vous l'avais dit dans un précédent blog. Et puis voilà, ben globalement, des jolis jeux que présente Xbox. En plus, et ben leur espace est quand même ultra grand. Et c'est vraiment sympathique, il y a plein d'écrans, il y a plein de monde et il y a plein de jeux à tester. Voilà, on a une jolie vue sur le stand Zelda là actuellement, c'est magnifique. Franchement, l'univers est super bien représenté par tous les décors, il y a des arbres, il y a de la nature, il y a pas mal de choses, mais vraiment, c'est magique en fait. Ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est clairement magique. Vraiment hâte de tester le jeu. On a vu une présentation qui est assez ouf, les possibilités ont l'air vraiment... vraiment vaste en fait, donc let's go. Donc la démo démarre au milieu du jeu, on va avoir accès à une portion de map qui est de 1% de la map finale, normalement à peu près. Et voilà, on vient de tester Zelda avec Jojol, c'était cool. Et puis là on mange, bon on a surtout attendu 3h30 à peu près pour avoir notre burger, on mangeait des jolis burgers. Voilà. Fort sympathique, on va voir si c'est bon. Des Meso 1000 je sais pas quoi là. Et bien sûr, bien entendu, le Coca Light, bien entendu, pour le régime, bien entendu, puisque burger Coca Light, ça fait maigrir. Et puis voilà, c'était vraiment cool, Zelda en tout cas. Et vous aurez une vidéo sur la chaîne, du moins quand elle sortira, je mettrai une fiche là juste au-dessus de moi, il y aura une fiche. Vous savez, les fiches, ça met un petit point d'exclamation normalement juste ici. Et vous pouvez cliquer dessus, voilà. Bon, allez, on va manger. Ok, je suis retourné en salle presse pour pouvoir monter une vidéo que j'ai tournée. C'est le flash info sur Pokémon, regardez. Hey yo tout le monde, c'est Utitov, j'espère que vous allez tous bien. Je suis grave content parce que la qualité visuelle est bonne, plus qu'à écouter la qualité sonore. Voilà, montage terminé, vidéo uploadée, donc du coup je sors de la salle presse et on va aller tester Skylanders. On est tombé sur Agent GB. Salut, abonnez-vous. Coucou, c'est NT qui fait du montage. Et écoutez, je suis un bolos parce que oui, j'avais pas allumé le micro de ma caméra. Donc à ce moment-là, je vous dis, waouh, Skylanders, c'était vraiment super. On peut personnaliser nos personnages. Je vais vous montrer quelques photos des personnages que j'ai pu faire parce que le record a foiré. Et ça signe la fin de cette E3 2016. Écoutez, nous on va retourner, je pense, à la villa pour profiter un petit peu du temps et de la piscine. Deux, trois.
Bon, dernière soirée à Los Angeles, et il y a Psycho qui est en train de vlogger. Attends. SK. Attends, reste un peu, ça va faire les vues. Allez, vue, like, super connard. Et du coup, bah, on va faire du karting pour cette dernière soirée. Il y a un lourd budget parole là. Ouais, on est sur orchestration. On revient à la musique. Ah regarde, c'est toi qui dis. Ah oui. Là, c'est celle-là ici là qui fait. Ah, vas-y, fais pareil. Ouais, bien. Let's go. Ouais, mais j'ai gagné 38 tickets. Putain, attends. Quoi? Mais pourquoi ça? Non, mais c'est fini, c'est fini. Arrêtez-le. Ah non, c'est pas fini. Si, ou c'est... Je vais être un plomb ou... Non, c'est fini. Allez, je vais faire ça. Ça va faire quoi, en fait? Faut que j'appuie longtemps, tu crois? Non. Allez. J'ai presque fait le jackpot hein. J'ai gagné ça, je sais pas ce que c'est. Enfin si, ça c'est un éventail je crois. Ça c'est les petites parachutes trop cool, tu sais les petits soldats en parachute comme dans Toy Story. Et ça c'est un... C'est une baleine. Aïe. Le lol, je suis marrant. On est déjà des moustaches. Ouais mais elles sont plus grandes. Oh putain les amis, je viens de faire une course, j'ai terminé premier, c'était fou. Vraiment, vous avez vu, Jojo il est parti tout à la fin, c'était un peu chelou. Bito. Mais voilà, c'était assez sympa. Let's go. Voilà, on est arrêté, je sais pas pourquoi. Coucou Kittis! Thank you.
sac en plastique. Il y a des starters. Tu m'as attaqué. Faut le préparer. Eh oui, ça se prépare. On se prend ça comme une bête. À tous les coups, ça marche pas. Bah non, ça va pas marcher. Oui, si, ça marche. C'est du PQ qu'ils ont mis. Ok. Ah bah oui, forcément. Allez. Wow. Là, je pense que c'est pas ça. Oh ah, là, j'en avais quand j'étais gamin en tissu. Ouais. Hey. Bon, les enfants, on est à table, on arrête de jouer. C'est quand même. Allez. Ça va être un bon choix. Combien t'as vu deux ? Je parlais des jeunes de la rigueur. Hey, il t'a bloqué! Quoi que tu fasses, c'est perdu. Ah bah par contre, il faut jouer, hein, parce que sinon ça valide pas le... ça valide pas sa victoire, je sais. Ouais. Joue, okay. C'est comme ça, c'est fair play. Putain, c'est incroyable, hein. Jusqu'au bout. Hein. Il faut que ce soit dans le vlog de Nutty Tuff. Et là, ah tu bon. Cries, et c'est la victoire avec Seb. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Mais j'ai vu qu'il était là, genre. Il était là, genre. Il va pas faire chier les gens, il est venu de la route, tu peux rien faire. Bon voilà, c'est l'heure de rentrer. C'était une semaine très sympathique. Dans une villa ouf, dans une ville ouf, avec des gens ouf. Et donc du coup, bah là on va se diriger vers l'aéroport et on va se rentrer. Et voilà, retour à la réalité, retour en France, retour à Paris, retour chez moi. L'E3 c'était ouf, mais au-delà de l'E3, c'était également aussi un voyage à plusieurs, et puis aussi une vie en communauté, entre guillemets, pendant une semaine, vivre avec d'autres gens, que finalement j'ai appris à découvrir, j'ai fait des super rencontres. C'était vraiment génial. Puis bah écoutez, moi je reviens avec vraiment des souvenirs plein les yeux, avec également des nouvelles connaissances maintenant, ou même des amitiés qui se sont un peu formées. Puis moi ça m'a vraiment fait plaisir, et bien écoutez, de vivre ça et également de vous faire partager ça de la manière dont j'ai pu. Donc n'hésitez pas eh bien, à laisser un petit like si vous avez kiffé cette série de vlogs sur eh bien, mon voyage aux États-Unis. En attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde!